Dans la galaxie des regroupements politiques à naître, l'UND se réclame incontestablement du Parti républicain, expression de l'adhésion de la coalition à la réforme du système partisan. Un vœu cher au président de la République, Patrice Talon. Cette conférence des cadres de l'Union s'inscrit dans une démarche consensuelle. L'Union nationale démocrate est un bloc de pratiquement 33 partis politiques et grands mouvements. Mais aujourd'hui, l'UND s'engage dans un nouveau processus qui est un processus où l'UND, in fine, à la fin, va se fondre, va se phagocyter avec d'autres blocs tels que Dynamique Unitaire, Bénin en Route, le PRD, etc., etc., pour former un grand parti politique qui va bientôt naître. Et pour cela, il fallait revenir en arrière, voir d'abord nos militants à la base, ce qui est déjà en cours, les cadres du parti, qui sont les têtes pensantes, qui sont les acteurs de premier plan. Il fallait que nous échangions avec eux pour recueillir à leur niveau leurs avis, leurs recommandations. Des avis et recommandations qui épousent les idéaux d'une reconfiguration de la classe politique béninoise. Et ce sont les travaux effectués depuis la naissance de l'UND en août 2018 jusqu'à ce jour que sont les restitutions de ces travaux que nous sommes en train de faire. Ce qui nous permettra d'informer les militants et de les motiver à comprendre l'intérêt de l'initiative prise par l'UND et à suivre, à accompagner la réforme du système partisan. L'Union nationale démocrate réaffirme son soutien aux actions du chef de l'État et invite les Béninois à rester optimistes. Je remercie tout le peuple béninois pour sa patience parce que 2 ans et demi, il est vrai, il y a eu des difficultés. Le peuple a dit souvent avec beaucoup d'impatience, nous le comprenons, que ça dure un peu trop. Mais vous savez, tout ce qui va être construit durablement, qui va rapporter de bons fruits, prend toujours du temps. Le grand travail a été fait durant les 2 dernières années. Aujourd'hui, les chantiers vont s'ouvrir. Notre pays est sur la bonne voie. Les générations futures récolteront le fruit du sacrifice d'aujourd'hui. Les présidents de partis et mouvements politiques constituant l'UND iront dans une démarche pédagogique rencontrer leur base pour annoncer la bonne nouvelle.